Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis absolument ravi de vous accueillir. C'est peut-être la première fois pour vous sur cette chaîne qui est consacrée au développement personnel sous une forme assez large de l'existence de l'être à travers sa forme corporelle, à travers sa forme énergétique, émotionnelle et aussi bien sûr en relation avec notre histoire de la vie. Dans cette chaîne, vous allez vraiment trouver tout un tas de séances pour progresser, vous développer, ouvrir l'espace, faire de la place. Aujourd'hui, on va ouvrir un pan et un champ de l'application transpersonnelle que j'aime beaucoup, qui est un travail en état expansé de conscience. L'hypnose est un outil qui permet ça, et puis il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, dans les territoires de la thérapie et du développement personnel. En tout cas, aujourd'hui, le choix, c'est de vous accompagner à travers un outil que, pour certains d'entre vous, vous connaissez bien, puis pour d'autres, ça va peut-être être une découverte, et c'est bien aussi. Eh bien, ce champ d'application, ça va être l'hypnose que j'appelle l'hypnose spirituelle, mais elle peut avoir beaucoup d'autres mots. L'idée, c'est de pouvoir vivre une expérience un petit peu en dehors d'un contexte usuel, classique, ou peut-être les espaces spatio-temporels vont être plus ouverts et vous allez pouvoir juste regarder, sentir, entendre peut-être tout un tas d'éléments qui vont vous donner des indications sur une problématique, puisque c'est souvent pour ça qu'on fait ça quand même, sur une problématique de la vie du présent. Alors pourquoi faire une hypnose de cet ordre-là qu'on va appeler exploration d'une vie antérieure? Eh bien d'ailleurs, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que je n'ai rien, absolument rien à vous vendre, entre guillemets, dans une réalité ou une autre. Peut-être que vous allez pratiquer cette séance en n'ayant aucune connaissance du sujet, ou peut-être même que vous ne croyez absolument pas à l'existence des vies antérieures, ou peut-être vous croyez très fort à cela, et tout ça n'a vraiment aucune importance. Je crois qu'il s'en est pas dans l'idée de croire ou pas croire, mais en tout cas, de se laisser vivre une expérience dans laquelle vous allez mettre bah, ce que vous avez envie d'y installer comme croyance ou non. En tout cas, laissez-vous vivre l'expérience. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Peut-être même ça n'existe pas après tout, les vies antérieures. Eh bien, qu'est-ce que cela peut faire? Si c'est une croyance et que cette croyance, elle aide et elle autorise à se développer dans le présent et à lâcher des vieux trucs, des vieilles peurs, des vieilles histoires, pourquoi pas? Je ne vous donnerai pas mon point de vue personnel sur le sujet. Je crois que vous l'imaginez déjà. Je pense que, en effet, l'être a cette capacité d'aller chercher des ressources à l'intérieur et quel que soit finalement l'espace-temps dans lequel on peut se situer. Amusez-vous, vivez l'expérience, soyez curieux, vous allez peut-être être très étonné de cette expérience riche. Alors quelques indications aussi quant à la manière de vivre cette séance aujourd'hui. La première chose, c'est que je vous encourage, comme souvent, à vous trouver un espace où vous allez être tranquille, et particulièrement pendant cette séance, parce que vous allez voyager dans plein d'espaces différents, peut-être. Donc donnez-vous les possibilités d'être au calme, d'être bien installé, d'être au chaud. Prévenez votre entourage si vous risquez d'être dérangé. Surtout, c'est vraiment important qu'on n'aille pas vous faire sortir d'un truc dans lequel vous êtes en train de vous installer ou peut-être que vous allez retourner dans un espace-temps et ce serait peut-être perturbant, vraiment, d'être sorti de cet endroit-là. Faites confiance d'abord à vous et puis en cette expérience que j'ai vraiment beaucoup guidée. Alors je sais que ça peut déranger certains qui aimeraient bien que je parle moins, et en même temps, dans ce genre d'expérience, je souhaite absolument que toute la sécurité soit mise en place pour qu'un maximum de personnes puissent vivre l'expérience sans partir de des trucs qui ne servent à rien. Faites confiance à mon expérience éventuellement, si c'est OK pour vous, en tout cas à ma voix, vraiment pour vous guider au plus proche de ce que je crois être une expérience qui va être vraiment chouette à vivre pour vous. Et naturellement, bien à la fin, vous allez complètement vous réassocier, vous allez revenir ici, vous allez ouvrir les yeux tout en étant vraiment parfaitement bien et en ayant vécu une expérience, j'espère en tout cas pour vous, très riche aujourd'hui. L'invitation aussi, ce serait peut-être qu'à la fin de cette séance, vous preniez ou des notes, ou alors que vous fassiez un dessin, que vous mettiez des mots-clés, en tout cas que vous fassiez de cette expérience quelque chose d'unique, de riche. Et vous pourrez la reproduire de toute façon, cette séance-là. Et elle va peut-être se nourrir progressivement. Si vous ne voyez rien, si vous ne sentez rien, s'il ne se passe rien aujourd'hui, tranquillisez-vous, c'est une vidéo, vous allez pouvoir la réécouter, réexplorer, donnez-vous le temps.
On ne réussit pas les choses toujours du premier coup. Ça demande peut-être aussi pour certains d'entre vous un peu d'expérience, un peu d'habitude de lâcher prise. Et franchement, ça va se passer. De toute façon, à un moment ou à un autre. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de réfléchir comme à une question. Pourquoi vous faites cette expérience? Souvent, c'est décrit comme je veux connaître mon chemin de vie, je veux ouvrir les espaces. C'est super, après tout, faites-la comme ça, cette expérience. Et ça peut être aussi beaucoup plus précis par rapport à une problématique du présent. Et plus vous allez être précis, et plus l'expérience va être riche. Ça peut même être vraiment de poser quelque chose de l'ordre, je veux y réexplorer ce qui a pu se passer dans d'autres vies pour moi, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je suis en relation de cette manière-là avec les autres, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis quelqu'un de très angoissé, pourquoi je suis en dépression, quel est le sens de ça dans ma vie aujourd'hui. Et en faisant cela, vous allez voir que le voyage, bien sûr, l'inconscient va aller à un endroit qui va être très différent de si on demande simplement d'aller voyager par curiosité peut-être, ou pour voir un peu ce qui va se passer. En faisant ça d'ailleurs, c'est peut-être le meilleur moyen, qu'il ne se passe pas grand-chose, et c'est très bien comme ça. Ça évite d'aller dans des endroits qui ne sont pas sécures et qui ne sont pas nécessaires d'aller visiter. Soyez précis. Pourquoi est-ce que je vous fais cette expérience aujourd'hui? Ensuite, eh bien, moi je vais éteindre l'image, hein, je vais vous accompagner par ma voix complètement. Comme d'habitude, on va prendre un temps pour se poser, pas très long. Parce que je voudrais que vous soyez vraiment attentif et que vous ne dormiez pas, hein, comme ça peut arriver pas mal dans des séances sur le sommeil par exemple. On va ralentir le rythme, mais on va se poser assez rapidement dans un endroit agréable et confortable. Et puis on va dérouler tout un chemin que vous allez suivre, comme c'est possible pour vous, jusqu'à aller rencontrer cette vie antérieure qui a du sens par rapport à vos questionnements aujourd'hui. Et là, je vais vous poser tout un tas de questions, je vais vous guider à travers des questions. Pour faciliter votre exploration. C'est pas pour imposer une exploration, parce que moi je sais pas où vous allez aller de toute façon, mais je voudrais que vous puissiez regarder vraiment avec détail ce qui va se passer dans l'exploration. Si c'est pas visuel, eh bien, vous savez, on n'a pas que des mémoires visuelles, peut-être vous pouvez faire confiance dans vos émotions qui seront présentes, ou dans des choses plus kinesthésiques, peut-être vous allez sentir des choses, peut-être que tout sera là, peut-être qu'il n'y aura rien, et vous referez. Faites-vous confiance vraiment dans cette exploration-là. Je vous remercie en tout cas de me faire confiance. J'ai mis quelques mois et années hein, avant de me décider de proposer ça sur le territoire YouTube finalement. Et puis j'ai réfléchi à une modalité pour que ce soit sécure, accompagné vraiment et que vous puissiez vivre quelque chose de peut-être d'unique, d'intense, de nouveau. Voilà, et puis que si c'est pas ça, eh bien vous pourrez refaire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère pas avoir été trop long. En tout cas, vous allez pouvoir à présent vous installer confortablement, comme je vous le disais. Prenez le temps de trouver l'espace, de vous poser. Et puis, on démarre cette expérience dès que cela est fait pour vous. Présent que vous êtes installé confortablement, j'aimerais que vous vous donniez déjà un petit temps pour prendre quelques respirations un peu plus profondes, de laisser vraiment vos inspires s'emplir pour pouvoir vous déposer à l'expiration et cela sur quelques cycles, juste dans le but de vous installer dans le but de faire déjà un peu d'espace à l'intérieur. Et puis parce que c'est agréable, tout simplement de se laisser aller à des soupirs de détente. Continuez aussi vraiment à vous accueillir en ce moment même, dans peut-être vos pensées, dans ce que vous êtes en train de vous dire. Cela concerne cette séance. Peut-être, ou alors toute autre chose, toute autre image et pensée parasite, simplement pour reconnaître leur présence, tout comme
Il y a peut-être la présence de sensations, de petites parties de vous qui s'interrogent, qui s'inquiètent peut-être, se demandent bien ce qui va bien pouvoir se passer aujourd'hui. Et juste souhaiter la bienvenue à ces parties-là avec ce souffle pour leur donner un petit mouvement. Et juste vous poser, vraiment avec bienveillance, avec écoute de vous-même. Et vous savez aussi très bien que pendant toute cette exploration, ma voix va être toujours là. Elle va commencer par vous dire d'ailleurs qu'à tout moment, si vous en avez besoin pendant l'exploration, si quoi que ce soit n'était juste pas confortable et pas OK pour vous, eh bien vous reviendrez instantanément. Vous allez ressortir instantanément de cet état hypnotique dans lequel vous allez rentrer, juste pour arrêter l'expérience et revenir à l'endroit où vous êtes, tout simplement. Très bien, laissez votre corps s'installer, se déposer, peut-être de laisser aussi votre sens de l'audition tourner autour de vous, pour repérer tout ce qui fait partie de votre expérience. Sur le plan auditif, il y a peut-être des bruits très lointains, il y a peut-être des choses beaucoup plus proches. Et vous allez porter votre attention sur ces sons plus proches. C'est peut-être cette petite musique qui est en fond pour accompagner simplement l'aventure. C'est peut-être ma voix et parfois on peut aussi entendre son cœur battre ou son souffle ou son ventre qui peut gargouiller un peu. Et installez-vous encore. Ouvrez bien votre conscience vraiment de tous ces petits points de contact de votre corps avec l'endroit où vous vous êtes déposé. Prenez le temps de bien vous enraciner, de bien vous ancrer, c'est-à-dire de bien sentir votre corps installé aujourd'hui à l'endroit où il est. Et pendant toute l'exploration, il sera toujours là. Ce corps dans le présent, bien enraciné, bien ancré à l'endroit où il est. Et pour ça, je sais qu'en ce moment, vous pouvez le sentir. De l'arrière de la tête, peut-être même jusqu'au mollet ou jusqu'au talon s'il touche un support. En tout cas, ressentez vraiment tous les endroits en contact avec un support particulier. Et sur chacune de vos expirations, vous allez simplement vous laisser entrer un peu plus au contact avec cette matière-là. Et là encore, parce que tout simplement c'est bon de se laisser porter, de se laisser vraiment soutenir complètement. Sur chacune de ces expirations, c'est peut-être même d'aller jusqu'à cette capacité que vous avez à vous laisser porter complètement. Vous savez, comme quand on se sent vraiment en sécurité, qu'on peut abandonner toutes ses forces, qu'on peut lâcher. Et lâcher encore avec chaque expiration. Parce qu'en dessous de vous, il y a toute cette sécurité, toute cette matière, toute l'énergie de la Terre. Et aussi parce qu'il y a ma voix encore là et toujours là. Peut-être que cette voix, vous allez l'entendre pendant toute la séance, et c'est très probable aujourd'hui. Parce que cette exploration, elle va être accompagnée et guidée complètement par ma voix. Et puis peut-être par moment vous serez un peu plus, de manière intensive, à l'intérieur de votre exploration. Vous savez, comme parfois on rêve de manière intense. Mais ce sera toujours soutenu par ma voix. Voilà, continuez à vous laisser déposer.
Et en faisant cela, peut-être que c'est votre visage qui s'apaise, les traits du visage qui s'apaisent. Relâchez bien les mâchoires, relâchez bien la langue, les muscles des joues, les yeux, tout le visage. Tout le visage qui se relâche. Parfois même, ça peut être en laissant légèrement la bouche s'entrouvrir. Et laissez faire. Laissez la détente s'installer dans vos épaules, votre apaise. Laissez-la glisser dans vos bras, dans votre dos. Surtout l'avant de votre corps, toute la région de la poitrine. Et le souffle vous y aide. Le souffle est un allié extraordinaire pour laisser toute la surface et toutes les profondeurs de la cage thoracique s'assouplir, se relâcher à chaque instant un peu plus. Relâcher à chaque instant plus profondément et de manière tellement agréable. Ouais, exactement comme ça. C'est bien. Laissez votre ventre s'assouplir, devenir peut-être même un peu plus chaud. Tous les organes se relâcher. Parce que ce moment est aussi un moment de détente, de relaxation agréable. Vous pouvez continuer de ressentir la détente que cela procure de vous relaxer, ou de sentir la relaxation que cela procure de vous détendre, ou de continuer à vous relaxer pour ressentir la détente, ou de continuer à vous détendre pour ressentir la relaxation que cela procure, de continuer à vous déposer. Laissez aller. Laissez-vous plonger un peu plus à l'intérieur de vous-même. Comme si vous étiez en train de vous installer au bord d'un lac absolument tranquille et très beau, agréable. Vous déposant sur le rivage. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil autour de vous et regarder le décor s'installer de manière amusante. Peut-être qu'il y a des arbres autour de vous. Peut-être que le ciel est assez clair, au contraire assez foncé. Et il y a ce lac, d'une limpidité merveilleuse, calme, serein. Il y a peut-être une légère brise confortable et une température agréable qui vient souffler sur votre visage. Et tandis que vous avez, il y a un moment, relaxé tout le haut du corps, cette détente va glisser vers le bas. Et sur le bord du lac, sur ce rivage, vous laissez vraiment vos cuisses se relâcher, les fessiers aussi, s'étaler complètement à l'endroit où ils se trouvent. Les mollets, les talons, les chevilles. La détente qui glisse jusqu'au bout des pieds, des orteils. Et à l'endroit où vous êtes, en regardant l'eau, relaxé. Vous avez peut-être ce sentiment d'être déjà un peu là et ailleurs. Et vous laissez vraiment cette sensation envahir complètement chaque espace. Comme si vous vous laissiez glisser, comme si vous plongiez dedans. Et on peut même vraiment augmenter cette profonde relaxation d'au moins 10 fois. Maintenant. Et dans un moment. Et maintenant. Pendant cet instant ou aussi au loin, vous pouvez commencer à percevoir le bruit d'une cascade. Et par vos propres moyens, partant de ce lac,
Vous allez vous diriger vers cette cascade. Je ne sais absolument pas si c'est en longeant le rivage, si vous pouvez traverser à la nage, ou si simplement le lac est si peu profond qu'on peut marcher à pied, ou il y a une barque. Laissez faire, laissez vraiment votre perception monter, réaliser les choses, comme si vous étiez à la fois le réalisateur et l'acteur de cet espace. Peut-être que c'est un rêve éveillé, peut-être que ce n'est que de l'imagination, peut-être que vous êtes en train de vivre un monde subtil, je ne sais pas. Et tout ça n'a vraiment pas d'importance. Laissez-vous conduire jusqu'à cette cascade. Voilà. Et une fois arrivé à cette cascade, vous allez la traverser. En laissant l'eau continuer à relâcher chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule. Exactement comme ça. Et avant d'aller plus loin derrière cette cascade, vous allez faire quelque chose que peut-être vous allez trouver curieux, ou peut-être que cela va vous paraître évident. J'aimerais que vous appeliez vos guides. Les guides peuvent représenter ici dans notre expérience tellement de formes différentes. Et vous allez laisser faire. Un guide, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui compte pour vous. En tout cas, les guides aujourd'hui, ça va être toutes les représentations nécessaires pour que vous vous sentiez en sécurité. C'est peut-être aussi des personnages imaginaires. C'est peut-être aussi des représentations symboliques, comme par exemple des héros de films ou de bandes dessinées, ou tout autre symbole plus spirituel. Parfois ce sont des animaux pouvoirs, des animaux totems. Laissez-vous être curieux, curieuse de regarder qui est là, qui se présente à vous et avec qui est-ce que vous avez envie de voyager, parce que vous avez le choix. Laissez le temps nécessaire pour que ça se fasse. Et laissez-vous sentir que vous êtes entouré. Ce qui fait qu'à tout moment dans cette expérience, et parfois je vous le dirai, parfois c'est peut-être vous qui allez le demander, vous allez solliciter la présence de ces guides à vos côtés. Pour soutenir, pour donner de l'énergie, de la force, ou pour vous rassurer si vous en avez besoin pendant le temps d'exploration. En fait, en ce moment, les guides, c'est peut-être vraiment ce qui est important pour vous. Et laissez-vous ressentir leur présence, tout simplement. Et tous ensemble, on continue l'expérience. Parce que derrière cette cascade, bien évidemment, va se dérouler tout un tas de scénarios, tellement de choses possibles. Regardez d'ailleurs un peu plus haut, vous allez apercevoir tout en haut d'une espèce de montagne, pas très haute, un château. Et vous allez prendre la direction de ce château en empruntant le chemin qui s'ouvre devant vous, qui va peut-être contourner la montagne, tourner autour, ou au contraire, c'est quelque chose d'assez direct. Laissez-vous sentir l'expérience sous vos pieds, les sensations. Laissez-vous entendre les bruits de vos pas sur ce chemin. Peut-être qu'il y a des odeurs dans ce paysage. En tout cas, vous prenez la direction de ce château et en constatant d'ailleurs que dans votre poche, vous détenez la clé qui va permettre d'ouvrir la porte de ce château.
Peut-être que vous y êtes déjà, ou peut-être qu'il y a encore besoin d'un peu de temps pour arriver jusqu'à la porte. Et une fois que vous serez devant la porte, vous la regarderez. Juste pour prendre conscience des matériaux utilisés. Quelques indications, pourquoi pas, sur l'âge de ce château. C'est votre château parce que c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de votre poche. Et vous allez l'ouvrir en entendant le mécanisme de la serrure tourner, se mettre en œuvre pour laisser la porte s'ouvrir. Et vous entrez avec vos guides naturellement, tous sans exception. Et peut-être qu'il y en a de nouveaux qui sont arrivés et peut-être que aussi vous allez vouloir faire le choix de voyager avec qui vous avez envie, encore une fois. Tous ensemble, avec ma présence. Laissez-vous entrer dans ce château qui représente, dans un premier temps, une espèce de très grand hall avec une cheminée qui n'est pas allumée. Et vous allez vous placer devant la cheminée. Devant l'antre de la cheminée, un peu comme dans ces grands châteaux, une cheminée très haute, très grande, très large. Et comme je vous connais un peu, je connais votre curiosité. Et puis, certains de vos guides d'ailleurs sont en train de vous tirer un peu vers l'antre de la cheminée, juste pour regarder, vous savez, le conduit au-dessus. Et là, c'est assez amusant parce que vous allez vous sentir comme aspiré. Et tous vos guides, tous ensemble, peut-être même vous allez tous vous donner la main. Et vous allez vous laisser complètement aspirer par la cheminée, par l'antre, montant ainsi dans le conduit. Et ce conduit, il forme comme une sorte de tunnel de lumière. Et vous allez laisser les parois de la cheminée se transformer comme ça, peu à peu, en tunnel de lumière. Tous ensemble à l'intérieur, et tout va commencer à défiler très très vite. Les parois vont défiler vraiment rapidement autour de vous. Voilà, exactement comme ça, vous restez bien dans le conduit, bien dans le tunnel de lumière. Et ce que je vais vous proposer simplement, en continuant à vous laisser voyager comme ça, c'est de laisser venir votre question que vous êtes posée tout à l'heure. Et ce pourquoi vous êtes en train d'explorer en ce moment même. Quelle question avez-vous envie de résoudre aujourd'hui? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Parce qu'en laissant venir cette question comme ça, juste un moment à votre esprit, le voyage démarre là, maintenant. Vous êtes dans le canal du temps. Et vous allez vous laisser retourner en arrière dans le temps. En présence de vos guides et en présence de cette question. Vous laissez remonter dans toutes les vies, toutes vos vies passées. Jusqu'à les rencontrer celles aujourd'hui qui a du sens pour vous, pour cette question. Et ce tunnel de lumière agit comme une force d'attraction très intense, où tout défile autour de vous, peut-être même parfois à une vitesse extrêmement étonnante. Et puis, à un moment donné, dans ce tunnel, ça va former comme une espèce de vortex, comme un espace de lumière beaucoup plus intense. C'est parfois autre chose qui va se manifester à vous, mais l'idée c'est que vous puissiez vraiment percevoir qu'à un moment donné, il y a une perception différente de la matière, ou peut-être lumineuse tout simplement. Comme une porte, un passage.
quand vous êtes à cette expérience-là, c'est parce que vous êtes arrivé à la bonne expérience pour vous. À l'arrière de ce vortex, il y a la vie que vous allez explorer, à un autre endroit, une autre époque. Votre vie antérieure, qui est importante pour vous, aujourd'hui à explorer par rapport à la question que vous avez posée au début. Et vous vous laissez traverser le vortex jusqu'à ce que peut-être déjà des images, des sensations se dessinent à vous. Je vous invite vraiment à laisser les choses se faire. Juste regarder un peu parfois comme une posture de témoin. Sans juger, sans critiquer, et en prenant le temps nécessaire. Laissez simplement toutes ces images se mettre en place. Et peut-être de pouvoir être à la distance nécessaire pour que l'expérience se déroule simplement, en sécurité. Et nous sommes juste là pour regarder et explorer en sécurité. Et peut-être que les images vont se préciser. Et juste ensemble, j'aimerais que nous regardions l'endroit où vous êtes. Et pour ça, je vais vous poser un certain nombre de questions. Non pas pour orienter votre expérience, mais pour que vous puissiez simplement regarder tout ce qu'il y a à regarder pour vous aujourd'hui. J'aimerais déjà simplement que vous puissiez prendre conscience d'une manière un peu globale, s'il fait jour ou s'il fait nuit. Si vous êtes dans un paysage ou au contraire si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment. Laissez la clarté minimale nécessaire quand même pour pouvoir regarder, si ce n'est pas le jour. Et c'est un peu comme on déroule un film. Vous allez pouvoir vous laisser avancer. Avec vraiment toute l'ouverture d'esprit nécessaire pour l'expérience. Peut-être même de laisser les impressions venir. Comme un film qui se déroule. Comme un rêve éveillé. Peut-être même qu'il y a des scènes. D'autres personnes. En quelle saison sommes-nous? Est-ce qu'il y a dans cette exploration des indicateurs qui pourraient vous dire en quelle année nous sommes? Vous pouvez regarder autour de vous si vous avez vraiment des manifestations, des indications, des objets, peut-être de la manière aussi dont vous êtes habillé,
ou s'il y a d'autres personnes, comment les autres sont habillés, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce que vous avez le sentiment de regarder à travers les yeux de votre propre corps, de cette vie-là, ou si vous êtes plutôt en posture de témoin, comme une caméra en train de filmer cela. Et si vous avez ce sentiment d'être à l'extérieur d'un corps physique, laissez-vous reculer encore dans le temps jusqu'à intégrer une perception physique, jusqu'à avoir ce sentiment d'être à l'intérieur d'un corps. C'est bien. Et à nouveau, laissez-vous regarder les vêtements. Laissez-vous regarder ce corps dans lequel vous êtes incarné en ce moment. Pour regarder, ne serait-ce que si c'est le corps d'un homme ou d'une femme, plutôt frêle ou au contraire bâti musculairement de manière un peu intense. Si c'est un corps jeune ou un corps plus âgé. Regardez les vêtements, les textures qui peut-être vous donnez vraiment des indications sur qui vous êtes, peut-être sur votre activité. Soyez vraiment curieux, curieuse. Et vraiment de pouvoir regarder avec simplicité et confiance à travers les yeux de ce corps que vous incarnez aujourd'hui. Et je vais vous laisser aussi vraiment un moment plus long maintenant pour que vous puissiez regarder le lieu où vous vous trouvez en ce moment. Que vous puissiez vraiment découvrir l'environnement, la période où la scène aujourd'hui se déroule, de continuer à glaner les indices. Laissez vraiment le champ des possibles se dérouler. Essayez de regarder le pays, la ville. Et si vous rencontrez d'autres personnes, demandez, regardez. Laissez dérouler l'histoire. Et n'oubliez pas, toujours en relation par rapport à cette question qui vous fait visiter cela en ce moment, même si vous ne comprenez pas vraiment tout ce qui se présente, ça n'a pas d'importance.
Et par rapport à cette question, justement, peut-être que vous allez demander à votre inconscient vraiment de vous emmener à une scène en particulier, à un endroit en particulier qui a du sens, particulièrement un événement, une expérience, un souvenir précis, qui cette fois, maintenant, peut répondre encore plus précisément à votre question. Un peu de ce pourquoi, en ce moment, vous êtes incarné dans cet espace et dans ce corps-là. Quel est le sens de cette vie-là? Et je vous rappelle que peut-être que si cela est difficile à regarder, puisque parfois nos vies antérieures n'en sont pas toujours simples, et souvent pas simples à regarder, vous pouvez vraiment regarder à la bonne distance. Et si cela est encore plus difficile, vous savez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de vous laisser revenir dans le présent, dans votre vie actuelle. Alors vous pouvez regarder vraiment ça. Et puis je trouve aussi très intéressant de laisser se dérouler l'expérience de cette incarnation jusqu'à la fin de la vie. Et juste pour vous laisser regarder, de quelle manière est-ce que vous êtes mort et morte dans cette vie-là? Comment cela s'est passé? Est-ce que vous étiez seul ou accompagné? En confiance, en sécurité, vous pouvez vivre l'expérience. Parce qu'elle va même vous amener à regarder ce qu'il y a après la mort. De regarder ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous avez quitté cette enveloppe corporelle? Et peut-être simplement de ce qu'il y a à apprendre de cette expérience d'après la mort. En sachant qu'il y a naturellement derrière cette expérience d'autres vies que nous n'allons pas nécessairement explorer aujourd'hui, mais juste de savoir que cette âme va se réincarner dans un autre corps, un autre temps, une autre expérience. Et puis, tranquillement, vous allez retourner vers le vortex de lumière.
Peut-être que c'est simplement par la pensée qu'il peut réapparaître, ou vous faites tout simplement confiance en votre capacité maintenant de rejoindre là. Le vortex de lumière qui va vous faire retraverser le temps et l'espace par ce tunnel. Exactement comme ça. Avec vos guides et la présence de vos guides qui ont été là toujours auprès de vous pendant l'expérience. Et puis vous allez laisser dérouler l'expérience de ce retour dans le temps et l'espace jusqu'à retrouver cette cheminée et cette grande pièce dans ce château. C'est très très bien. Et puis vous allez quitter le château, le refermer à clé. Et mettre précieusement la clé dans votre poche. À partir d'aujourd'hui, vous savez que cet endroit est un lieu de passage pour vous, pour expérimenter à nouveau, peut-être d'autres questionnements, d'autres vies. Et vous allez redescendre le chemin jusqu'à la cascade. Voilà. Et vous allez retraverser la cascade en laissant à nouveau vraiment toute l'eau, peut-être nettoyée, des choses qu'il y aura à nettoyer suite à cette expérience, à venir apaiser. Venir relâcher, relaxer. Et vous allez retourner sur le bord du rivage, près du lac. Juste parce que à présent, vous allez vous reposer. Plus rien à faire. Laissez-vous vous relaxer à présent. Trouvez peut-être aussi la sensation de votre corps,
allongé là où il est, au bord de la rive. Voilà, le temps nécessaire pour intégrer l'expérience. Avec peut-être aussi toute la gratitude pour avoir pu vivre cela aujourd'hui, de quelque manière que cela se soit passé pour vous. En sachant qu'il y a la clé dans votre poche. Qu'à présent vous allez pouvoir en faire un autre usage, revenir s'il y en a besoin, autant de fois que cela est nécessaire. Parce que j'imagine que vous avez plein de questions. Plein de questions dans l'histoire de la vie, du présent. Et en parlant de présent, c'est le présent à l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, au moment où ma voix vous parle. Et j'aimerais que vous laissiez se dissiper toutes ces images, toutes ces histoires, toutes ces sensations, ces perceptions. Peu à peu même de quitter l'expérience du lac, juste pour revenir à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Dans un état de conscience expansé, tout est possible et en ce moment vous faites l'expérience du retour vers un champ de conscience plus ordinaire. Pour retrouver des sensations, celles de votre corps, aujourd'hui présent. Vous allez en laisser se dessiner les contours, laisser le ressentir à nouveau, avec plus de clarté, plus de netteté. Mettez-vous aussi en relation avec l'endroit où il est installé, le support sur lequel il repose, juste pour à nouveau ressentir les racines, les sensations, les perceptions concrètes. Et déjà, certainement qu'autour de vous, vous savez un peu mieux, un peu plus, reconnaître l'espace, les objets autour de vous. Toutes les matières, toutes les couleurs. La présence peut-être aussi des autres pièces, à l'endroit où vous avez exploré aujourd'hui, la vie aussi à l'extérieur. Allez, continuez ce chemin de retour, remettez de l'énergie, inspirez peut-être sur quelques cycles de manière plus dynamique pour faire venir l'énergie, pour faire sortir de l'expérience, parce que vous allez dans cette vie-là, plein de choses à accomplir, commencez peut-être même à bouger, à ouvrir les yeux et... Vous allez faire ça jusqu'à ce que les étirements, les bâillements arrivent, s'il y en a, et que vous avez envie de les laisser vivre. Continuez comme ça, et peut-être déjà, vous pouvez entendre le fait que ce serait assez sympa de prévoir un petit temps maintenant pour écrire peut-être quelques mots sur l'expérience, comme dans un cahier un peu secret, comme un journal intime, quelque chose d'assez unique. Ça peut être aussi des dessins, des mandalas. Vous pouvez être très créatif, créative, pour peut-être résumer en quelque sorte tout ce que vous avez retenu de cette expérience, et peut-être qu'au fur et à mesure, cet espace va se compléter. Ce cahier va se remplir, devenir plus riche.
avoir plus de sens. Et si l'expérience n'en a pas eu aujourd'hui de sens, ce qui est improbable d'ailleurs pour beaucoup d'éléments, continuez vraiment à les noter, peut-être que vous allez y revenir et que ça va avoir du sens un jour. Voilà, continuez comme ça. Je vous remercie pour cette expérience. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.